Il y a, à 11h, il y avait 16 inscriptions. 16 inscriptions. Ce qui ne veut pas dire que 16 personnes vont venir. Bien sûr, bien sûr. Mais enfin, c'est de s'inscrire, aller remplir les petites cases, tout ça, c'est déjà un signe d'intérêt. Ouais. Donc ça a bien marché, là, les pauses parisiennes, cette année ? Oui. La moyenne, c'est 10 personnes. 10 personnes ? Oui. Ok. Donc on peut aller à 20, ouais. Au cinéma, sur le cinéma de midi à la BNF. D'accord. C'est plutôt 20, 30, 40 personnes. Ouais. Bonjour. Pour la vie. Exactement. C'est bien ici. Bon là, on va attendre la moyenne. Parce que là. On attend. Quel est le trajet? Le trajet, en fait, je l'ai modifié par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, il était un peu trop long. L'année dernière, la balade, elle a pris 2h, 2h30. Pour les personnes qui travaillent après, c'était compliqué. Cette année, je l'ai modifié. J'ai raccourci le parcours et pour information, il y a une petite confusion en fait dans le programme de l'année dernière et le programme de cette année. Cette année, il n'y aura pas d'intervenant parce que c'est ça qui a ralenti beaucoup la visite l'année dernière. Donc pour que ça tienne en une heure et demie, j'ai modifié le parcours et j'ai supprimé les intervenants. Alors il y avait un intervenant de l'association des amis de la commune de Paris. Alors ça nous empêchera pas de parler de la commune de Paris. Mais en fait voilà, ça avait pris beaucoup de temps en fait, ça a fait traîner un petit peu la visite. Donc voilà, ce point-là je l'ai écarté. Et sinon on passera devant la ressourcerie. On y était passé l'année dernière. On va voir ce qu'elle cherche. Bonjour. Moi je posais la question du parcours parce que je vais rester 2-3 minutes ouais. Avec le panneau et je recollerai avec les éventuels retardateurs. Le temps de la présentation en fait, parce que je fais une petite introduction qui va durer 5 minutes ici, donc ça laisse peut-être le temps d'accueillir le retardataire et plier la bâche. D'accord.